Je suis chrétien, je m'amuse, je vis ma foi pleinement et personnellement, il n'y a aucun problème. C'est pour moi, la foi et le divertissement sont compatibles. Donc, comment je m'amuse? C'est très simple, hein, je m'amuse comme tout le monde. Donc, j'aime aller voir des amis justement dans un bar, dans un café, discuter. Je fais de la boxe depuis environ un an avec des amis, qu'ils soient catholiques ou pas. Sinon, une de mes grandes passions, c'est le vélo et la course à pied. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je vais avec plusieurs amis en forêt et on se rend vers les quais de Seine. Après, on se baigne dans la Seine, donc à côté de Fontainebleau, on boit une bière ou deux et puis on rigole. Il m'arrive aussi c'est d'avoir des reproches parmi certains de mes amis qui me disent souvent « Oui, bon, toi tu es catholique, donc tu sais pas trop t'amuser, ce que tu fais c'est bizarre. » Enfin, c'est bizarre dans le sens où on ne voit jamais te bourrer la gueule à fond, on ne voit jamais que tu t'éclates, on ne voit jamais que tu te drogues, alors que pour moi, c'est tout l'inverse. Pour moi, je m'éclate comme je sens, donc je m'amuse même mieux des fois. Et à la fin du lycée, j'ai eu des amis qui sont arrivés et qui m'ont dit finalement, c'est bien parce qu'à chaque fois que tu viens à une soirée, tu mets l'ambiance et sans te bourrer la gueule, sans faire d'excès en fait, tout simplement. Et donc pour certains ça les a touchés. Et moi aussi ça m'a touché le fait que des amis me disent ça. Celui qui est en métal, il y en a un autre. J'aime me divertir comme je fais, j'en suis très content et sérieusement c'est vraiment mon truc quoi. C'est pas la société qui devra me dire par exemple que je dois m'amuser dans l'excès. Pour moi, c'est m'amuser, c'est justement en faisant attention et en mettant certaines limites. La foi, ça m'a apporté quelque chose de grand dans ma vie. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. J'ai pas envie de m'en séparer sous prétexte qu'il faut vivre avec excès, comme le montre notre société.